Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, si jamais c'est le début d'un vlog, parce que je ne sais plus maintenant. On est le 17 juillet 2022, je sais pas pourquoi je précise la date. Peut-être que en fait ce vlog va être en ligne au mois de janvier prochain, fait peut-être que je vais bien préciser la date. Ça fait une semaine que je suis revenue de voyage de la Madeleine, c'était vraiment beau, c'est vraiment une belle place, vous devriez y aller si vous avez la chance. Demain je commence à travailler au camp de jour de l'école où j'étais cette année, donc... Pour ceux qui ne savaient pas, cette année je travaillais comme éducatrice dans une école primaire et j'étais avec les maternelles. Puis en tout cas j'ai vraiment aimé ça. Là ça va vraiment être cool parce que je vais être avec les 4-6 ans encore une fois. Fait que c'est comme, je risque de revoir une couple de mes élèves. Ils pourront pas m'appeler Madame Jeanne cette fois-ci. Il va falloir qu'ils m'appellent Aquarelle, mais c'est pas grave. Ok, fait que le demain on fait Pompon Mangolfière. Ah lui il avait l'air cool. L'imprimante n'existe pas ou n'est pas disponible pour l'instant. Je l'ai branché l'imprimante. Je vous jure, je déteste tellement cette imprimante. J'ai tellement le meilleur setup de l'histoire. Genre, on a deux projets d'or à faire. Je vais tout séparer les élèves à différentes stations. Comme là, ça va tourner. On commence là. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Après, ça, on termine ici. Puis, il va y avoir une autre station que je vais mettre à terre tantôt. Là, ici, on a une station découpage. Ici, c'est pour un projet où on va faire une coccinelle avec nos pieds. Fait que, genre, je vais mettre de la peinture là-dedans. Et on s'installe là. Puis, ici, ça va être du savon puis de l'eau pour qu'ils se trempent les pieds après. Il est né au camp de jour, cette semaine, mon option c'est bricolage 101. Fait que c'est ça, on fait du bricolage. Je vais vous montrer ce qu'on a fait, hier, c'est vraiment beau. On a fait comme des petits pandas comme ça, c'est trop cute. Puis des crèmes glacées, bon celle-là c'est pas la plus réussie, mais genre, ça c'est une meilleure idée. Ou celui-là il est vraiment beau. Ou, parce que les plus beaux je pense sont partis avec. J'ai installé un jeu pour mes élèves tantôt, fait que comme on va suivre une longue corde. Parce qu'en fait on est les licornes. Puis les licornes, supposément qu'ils ont le pouvoir de changer les cauchemars en rêve, en beau rêve. Donc ce qu'on fait que c'est pendant la nuit, on va avoir un masque qu'on va fabriquer ce matin pour se cacher les yeux. Puis dans le fond, ici on va avoir des objets de cauchemar, fait que genre des fantômes, des monstres, des trucs qui font peur. Puis en fait les licornes vont partir. On va partir du début de la corde, il y en a une qui va avoir son masque sur les yeux puis qui va tenir la corde. L'autre ami va le diriger pour se rendre jusqu'à la gloriette. Ils vont prendre un objet de cauchemar, refaire le parcours, s'en venir jusqu'ici, jusque ici. Là ici il va y avoir des objets de rêve, des toutous, des trucs heureux. Puis là ils vont aller refaire le parcours une autre fois pour aller le porter dans la gloriette et transformer le cauchemar en rêve. Ça va être vraiment cool. Je sais qu'en tout cas, on l'a fait plusieurs fois à l'école cette année, puis je sais que les petits trips seraient suivre la corde, même quand il n'y a pas de but. Fait que là, avec un but, ça va être encore mieux. Donc ouais, cette semaine, je suis avec les licornes. C'est une fois que je fais du bricolage, cette semaine, je me déguise en licorne. Mais c'est vraiment le fun, j'ai tellement un beau groupe. Là, je vais retourner dans mon local pour finir de préparer mes trucs pour le bricolage de masques qu'on fait ce matin. De masque pour les yeux, là, pour dormir. Puis après ça, ben, je vais commencer ma journée. Je vais me déguiser en licorne. Yes! Bonjour! On est le 1er août. Oh mon dieu! Bienvenue au mois d'août. C'est ça. Cette semaine, je fais des expériences scientifiques. Puis j'ai pas le meilleur groupe de l'histoire. Puis, on dirait ils ont de la misère à embarquer. Dans les activités, et je suis comme let's go. La semaine passée j'avais les licornes, on était dans un monde magique, on s'imaginait aller apercevoir des licornes dans la forêt, comme c'était vraiment vraiment le fun. Genre ils embarquaient dans tout. Cette semaine c'est plus dur, mais ma lumière qui clignote, c'était Lumos. Attends. Lumos. Yeah. Claire, j'ai créé comme un système d'émulation où on remplit, attendez, je vais vous en montrer une là, en cachant le nom de l'élève. Là. On remplit comme des fioles comme ça. À chaque activité, si ça s'est bien passé, il colorie.
puis là, pour se rendre, pour remplir notre fiole. La journée, si la fiole est remplie, ben il gagne un collant. Puis si c'est pas rempli, ben meilleure chose la prochaine fois. Ça, mais je suis vraiment fière, ça a bien fonctionné hier, puis ça fait cute parce qu'on est des scientifiques, fait qu'on a comme des fioles. Ou des. Comment on appelle ça sinon? C'est pas des fioles, des. C'est pas des béchères, non, c'est pas des béchères, c'est des fioles. Cette semaine, je revois aussi mon ami qui a déménagé en Gaspésie. Ça fait un an que je l'ai pas vu, fait que c'est vraiment cool. Je pouvais probablement pas filmer ça, mais je voulais quand même le spécifier. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Je dois arriver en médiéval tout croche. Alors voici mon look, un genre de paysan. Je sais plus si c'est. On dirait Astrid dans How to Train Your Dragon. Mais c'était pas ça le but. Mais je sais pas si ça fait assez paysan. Je sais plus. Allô, on est mercredi soir. Aujourd'hui c'est ma journée médiévale. Je sais pas si vous avez. Je sais pas si j'ai inclus le clip que j'ai filmé le matin, probablement. En tout cas, je m'habille en médiéval, mais genre en pauvre. Puis j'allais être peut-être promue reine. Ben princesse, pas reine. J'allais peut-être être promue princesse si je donnais des belles offrandes avec mon groupe au roi et à la reine du camp. J'ai réussi. Tout est fait. Ça, j'étais à ça de pas passer parce que honnêtement, mes kids manquaient un peu de talent en or plastique. Et là, c'est ça, au moins une fois par vlog, t'as un petit plan dans la cuisine pendant que je cuisine. C'est genre rendu iconique. En fait, je vais vous faire découvrir ma playlist de l'été. Même si on est probablement rendu au mois de novembre. Bon, alors voilà, bienvenue dans ma playlist de l'été qui s'appelle Super 8 Films of Wave and Sunset. Mon accent en anglais était terrible, on va recommencer. Donc, voici ma playlist. Ça s'appelle Super 8 Films of Waves and Sunset. Ça se lit mieux que ça se dit, je dois vous l'avouer. Sur ce, on va faire des pauses. She's so pretty. Cet outfit est zéro une invention de moi-même. I miss my best friend, so I'm wearing her clothes. Cette chanson, je l'ai entendue la première fois pendant que je lavais les paniers de ma classe. Genre, la dernière journée d'école. Puis, c'est ça, ça me rappelle ça. Avez-vous un truc pour faire bouillir l'eau plus rapidement? Pourquoi acheter des pêches quand il y a des nectarines qui existent? Puis qui goûtent la même affaire, mais pas de poils. Là, il est temps que t'aies reçu sur ton album. Genre, ça a fait un bout, là. Maintenant, vous pouvez apprécier Harry Styles. C'est vraiment un artiste. J'ai vraiment, c'est cute. Les belles pâtes sont tellement plus belles en vrai, je parie. Mais que je vais me brûler, pas quand même. Oh non, c'est bon. Ok, bye. Vous savez ce que ça veut dire, ces écouteurs-là? J'ai fait du montage! Enfin! Je suis quand même très fière de mon intro. Ça s'en venait vers quelque chose que j'aimais pas vraiment. Puis j'ai fini par mettre comme plein de carrés. De... Ici, là, genre des formes qui se promènent un peu de façon aléatoire. Mais ça fait beau. Fait que. C'est ça. Il s'en est passé des choses cette semaine. Alors, pour commencer, lundi, les animateurs dormaient à l'école. Et moi, bien évidemment, je ne voulais pas. Puis ben moi, je suis restée pour les jeux, mais je suis partie vers, je sais pas, 9h30. C'était vraiment cool. J'ai gagné les deux parties cache-cache dans le noir. Parce que j'avais les meilleures cachettes de l'histoire de l'humanité. C'est ça. Mardi, j'ai vu mon ami virtuel, mon ami de MSP, Movistar Planet. Je sais pas si vous vous souvenez, s'il y a encore des gens qui me connaissent de Movistar Planet, qui est un jeu auquel j'ai beaucoup joué durant mon secondaire. Eh bien, j'ai rencontré une amie d'MSP, qui ça fait 7 ans que j'y parle, et puis enfin on s'est vu en vrai! La semaine prochaine, je suis avec les petits danseurs, faut que j'aille une danse. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui va inventer une danse? On est le 13 août, je déménage dans une semaine. Je suis coutumier. Quand je... Je me rends compte que quand je vais monter ça, je vais être comme là-bas. Fait que... Est-ce que c'est le fun? Est-ce qu'on a pris une bonne décision?
Peux-tu, s'il te plaît, je vais te pitcher dans le lac sérieusement. Bienvenue au chalet de ma tante. Qui aime beaucoup les Google. C'est tout. Bye. Oh, c'est oui. Mais grand, mais grand. Ouais, t'es pas déjà derrière. Ça va, Stella? Bon, après, mais...